Bon, bonsoir. J'espère que tu as eu une bonne semaine. Aujourd'hui, on a une course sous la pluie en groupe 1. C'est les voitures de Le Mans. Ça va être vraiment difficile. Fait que je sais pas trop, au niveau des qualifs, c'était sous la pluie, il y a du monde qui attendait ça arrête de pleuvoir pour pouvoir faire des bons temps de pré-qualif. Moi, j'ai pas fait ça parce que c'était 45 minutes d'attente puis de gossage, là, puis j'ai pas voulu embarquer là-dedans. Il y a du monde qui ont fait une 22, mais moi, je tourne en une 37, une 38. J'imagine que tout le monde ici va faire à peu près la même affaire. En fait, je le souhaite. C'est très, très difficile de. D'être clean. Ouch. Fait que. C'est ça. Cette voiture-là, elle a un système de batterie. Il y a un moteur de batterie qui doit ajouter peut-être 100 forces ou 200 forces, là. Puis c'est représenté par la batterie qui est verte dans le milieu de ma vitesse. Ce truc de batterie-là, on le voit, il se dépense. J'en ai besoin pour faire un bon temps. Parce que c'est comme 100 forces de plus ou 200 forces de plus. Fait que je veux en avoir pour mon tour. Fait que faut que je récupère en freinant puis en me laissant aller sur. C'est vraiment très, très glissant. Ça va ressembler à ça pour vrai, là. Parce que si je donne du gaz, je perds l'adhérence tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ok, pas pire. Fait qu'on décolle. Là, tu vois ma batterie à se vide. Je vais. Là, faut pas que je manque mon freinage à l'autre bout. Il est super important ce freinage-là. Là. Ouais, c'est bon ça. J'ai trop hésité. Yes. J'ai manqué la grande courbe à droite là. Les doubles apex là, je l'ai manqué, mais. Une 34, j'ai jamais fait ça. 3 secondes en arrière de tout le monde. Hé, hey,
Ça va être malade. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va être mieux là. J'aimerais ça, une seule. À 1,37 quelque chose là. Oh boy, je suis limite. Wow, je suis 3 secondes en arrière. Trop loin. Ça fout tout. Tu perds presque une seconde au complet juste à cause de cette... de passer trop loin de l'apex, là. Ben, j'ai plus de batterie, tu sais. Je vais essayer de récupérer ma batterie pour aller chercher de... être capable de récupérer. Ouais, j'ai de la batterie là. Ouais, mon meilleur c'est une 37,4. Fait que tu sais, il faut pas que je pense que je vais aller chercher une 32 là. C'est impossible. J'ai pas trouvé la solution.
j'ai déjà plus de batterie. Tabarnane. Ça fuck toute ma sortie ici. C'est la sortie est plus importante que la grande courbe. Là. Fait que j'ai tout fucké mon dernier tour. Ah, oh, je suis déçu. Ben, je suis déçu. Je m'en attendais. C'est vraiment, vraiment difficile. Fait que je vais partir comme dernier, avant-dernier. Est-ce que pendant la course, il va y avoir assèchement de la piste, puis qu'on va pouvoir aller mettre les pneus tendres? Si c'est le cas, ça va être hot. Là. Parce que là, ça va changer toute la game. Si quelqu'un fait une erreur, il est dans la merde. Parce que c'est ça, c'est on tourne dans les 1.20 avec les tendres. Fait que... Ouais. Fait qu'il n'y aura pas... Théoriquement, il n'y a pas d'arrêt au puits. Fait que je pars... Hey, je pars loin, là. Mais je suis vraiment avec du monde fort, là. Zila, je suis allé voir son compte là, parce que ça fait une couple de fois que je course avec, puis je me suis dit, je vais me mettre chum avec, puis F1 Analyzer Z, le sixième, lui aussi, je course souvent avec, puis ils sont vraiment là, presque A+, dans leur catégorie, là, leur DR, là, ils sont vraiment haut là, dans le A. Moi, je suis dans le milieu bas, là, des A. Fait que là, je me bats contre... En fait, 13e, c'est ma place, là, par rapport à eux autres, là. J'ai vraiment l'impression que... Que ça reflète... Ça va refléter vraiment mon rang par rapport aux autres. Oups, ça je voulais. Comment je fais déjà? Ah oui. Il a fait un asti de tour écœurant. Là. J'ai pas eu le temps. Round 5. Well, Nation Cup. Ouais, une affaire que j'ai pas dit, c'est que il va y avoir probablement
c'est sûr que la température va changer. Si ça change pour un petit peu moins d'eau sur la piste, ben il va peut-être y avoir une possibilité d'aller avec des pneus tendres. Là, ça va changer la game bien raide. Soit que je suis vraiment relégué dernier, ou que ça, je vais pouvoir dépasser du monde. L'autre chose, c'est s'il pleut plus. À ce moment-là, s'il pleut encore plus, ben là, ça va être les pneus wet qu'on va être obligé de mettre. Puis là, la game aussi va changer. T'sais. Si quelqu'un va pas mettre les wet, puis qu'on a besoin de wet, il est dans la merde, là. Il va perdre quasiment 30 secondes du tour. T'sais. Fait que je suis 13e à 3 secondes. Ah, lui, il est à 4 secondes. C'est un départ lancé, fait que c'est déjà plus rassurant. Là. Parce que même en ligne droite, c'est difficile de la tenir. Puis on voit à côté de mes pneus, là, je pense que je l'ai déjà expliqué, mais il y a l'humidité. Il y a une barre bleue pâle, là. Quand elle est dans le milieu, c'est parce qu'on a besoin des pneus intermédiaires. Plus elle va se rapprocher de la barre du haut, juste au-dessus, c'est les pneus wet qu'on a besoin. Fait que c'est ça. On va se concentrer. On a 12 tours. Puis là, ben, il faut faire attention. Oh non, come on! Ah, il est fin. Ouais, mon radar, il dit qu'il n'y a même pas de nuages. J'ai l'impression qu'il est comme pété parce que... Ah, si, je suis allé trop vite. Secondes en arrière des autres. Les sorties de... En fait, les débuts de longue ligne droite, là, ils pardonnent pas. La sortie de la courbe, elle doit être parfaite. On va espérer qu'il y a du monde qui se plante, là, puis...
je reste concentré de même, là. C'est bon, je suis content, là. Je suis pas capable de la prendre celle-là. On va leur dépasser à une seconde sur la ligne droite. Ah, peut-être pas. Aïe, aïe.
pensais que je pouvais freiner, mais j'ai pas été capable. Pas, la courbe est off-camber, fait que j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'arrive beaucoup moins vite. Là. Donner un swing au gun avant. 8 tours de fête. Non, 7 tours de fête. Je commence mon 8e. La seule courbe que je sens que j'ai bien pogné, tu sais, puis j'étais allé un peu trop fort. Là, j'ai le cul qui part tout seul, là. D'aller le chercher, lui. J'ai mal pris ma sortie, fait que je perds 3-4 dixièmes, même une demi-seconde d'aller le voir. Ah, c'est tough! Affaire, c'est comme la pluie change en quantité, mes rapports de freinage sont pas les mêmes. Là, en ce moment, il y a moins d'eau, elle est moins glissante que tantôt, tu sais, fait que c'est pour ça que là, j'améliore mes temps. Pour rejoindre le gars en avant. Là. Ouais, 37.9, c'est mon meilleur tour, c'est pas pire.
vraiment super bien faite, cette passe-là, mais le gars en avant, il a fait mieux. Hey, comme Prax, le 12e, il a dépassé le 13e, c'est bon. Aïe, je suis le dernier. Il vient de lâcher. Un tête à queue, c'est pas pire quand même. Hey, c'est proche d'être de pouvoir mettre les pneus tendres là. Bon, dernier tour. Ah! J'ai chaud là. J'aurais pu couper plus les coins pour aller chercher des lignes plus droites, mais dès que tu touches au vibreur, c'est extrêmement glissant. Ouais, mais ça a été difficile. Vraiment, là. T'sais, j'ai pratiqué, mais pas beaucoup. Puis, je peux pas être à la limite. Je comprends pas le. Puis, l'autre affaire, c'est que la batterie en tant que telle, la puissance supplémentaire, quand elle est là, c'est super difficile de la gérer parce que la puissance, elle arrive vraiment vite. Fait que si tu pèses trop, ben cette puissance-là a
crisse dehors, tu sais, elle te met, elle te sort tout de suite. Fait que c'est vraiment, vraiment difficile. Hey, c'est une course de 200 points. J'ai jamais été dans une course de 200 points. Fait que c'était ma place. J'ai 100 points. Fait que c'est pourri, là. Ouais, fait que c'est qui que j'ai tapé? C'est Datroot. Il est encore là? Non, il est plus là. Fait que j'ai 101 points. Je pense pas que je vais en refaire. C'est trop rushant, là. Puis j'ai comme pas de fun, là. Aïe, aïe, aïe. 101 points, c'est vraiment pas fort. Je sais pas si je vais faire la course de demain, là, mais en tout cas, peu importe. Ouais. Fait que si je regarde les points, tu vois, 144 points. La dernière course que j'ai fait la semaine passée. Puis là, 101. Fait que 101, là, c'est les B peuvent faire jusqu'à 150 points, je pense. Si je me trompe pas. Fait que quand j'étais à 164, 168, ça veut dire que je suis dans le bas des A. Puis que les B peuvent pas me rattraper. Mais là, à 101, ben c'est je suis dans le top des B là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est tough. Je vais aller voir. Ah, c'est pas ici, c'est ici. Ouais, c'est ça. Là, je vois. Ok. À côté de t'as le DR. On voit la ligne. La petite ligne en dessous, c'est pas précis. Ce serait le fun si c'était un pourcentage. T'sais. Si j'étais. T'sais, si je pouvais voir si je suis à 40 ou à 35% présentement dans le A, ben ça me donnerait une meilleure idée de quand je fais des courses puis que ça va pas bien, comme là, si j'ai perdu de l'expérience. De mon rang, là, du DR, tu sais. Mais tu sais, 101 points, puis je suis dernier. Fait que. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Puis, c'est quoi la prochaine course? Prochaine course, c'est Alsace. Roadster, Touring Car. Ça risque d'être la Mazda. Un Roadster, peut-être. Ouais, la Mazda. Mazda 3. Puis Alsace, ben c'est une belle piste. On l'aime pas mal, là. Attends, c'est quoi le nom? Non, c'est pas ça que je voulais. Cédule. Alsace Test Course. OK, on va aller voir c'est quoi. Alsace Test Course. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on va aller voir ça. Je veux juste vérifier ça. Puis il y a une affaire aussi que je veux montrer. On gagne des étiquettes. Alsace Trial. Alsace Test Course. Oh boy, c'est la petite piste. Je vais juste aller voir ce que ça dit, mais c'est la petite piste. C'est-tu celle où il y a une grosse côte avec un dénivelé de la mort, là? Je pense qu'on l'avait faite en voiture de rallye, quatre roues motrices. L'année passée, dans la saison passée. Ah, moi, je l'aime moins, celle-là. Là,
là, je suis en groupe 3. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oups, là. Je suis pas habitué avec... J'aurais peut-être pas dû commencer ça, drette là. On va revenir. J'irai pratiquer. L'affaire que je voulais montrer, c'est le ticket. C'est le ticket quand tu fais tant de kilomètres dans une journée. Je pense que c'est 45 ou 80 kilomètres. Le daily workout, là, en haut à droite. Ben, il te donne un ticket. Puis c'est un ticket avec des étoiles. Puis plus tu as d'étoiles, plus les prix qui sont disponibles sont généreux. Ça va jusqu'à 6 étoiles. Puis là, on prend un 4 étoiles. Puis moi, j'appelle ça les tickets de la déception parce que c'est toujours le prix le plus bas possible que tu gagnes. Et voilà. Fait que j'ai gagné le prix le plus bas, puis là, ben, je pense que c'est 5 000 ou 10 000? 10 000. Fait que 10 000 piastres, quand tu dis qu'un char coûte une couple de millions. D'ailleurs, je me suis acheté, c'est la McLaren, 2, la stick est où? Ah, ici. C'est la McLaren F1 de Ayrton Senna. Je me suis acheté ça. Je ne l'ai même pas essayé encore. C'est ça. C'est pas celle avec laquelle il s'est tué. C'est celle avec laquelle il a été champion du monde. Fait que c'est pas mal ça. Merci d'avoir été là. Puis peut-être demain, je ne sais pas trop. On verra. À bientôt.